Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette 39e émission, et oui déjà 39 émissions de CEF TV, qui s'intéressera aujourd'hui au football de rue, et on se posera la question de savoir si on doit intégrer ce football de rue dans nos séances d'entraînement. Pour répondre à ces questions, nous accueillerons trois entraîneurs reconnus, nous accueillerons trois entraîneurs reconnus comme étant des formateurs, et j'accueille en premier lieu Philippe Broussas, qui est directeur technique du Futurosport au Royal Excel Mouscron. Bonjour Philippe. Bonjour, Rudy. Ça va, tu vas bien? Très bien, très bien. Donc, c'est un peu compliqué, une période un peu compliquée, mais ça va bien, on gère. Je crois qu'on est tous dans le même bateau. Ouais. Alors, j'accueille aussi Samuel Petit, donc qui était un du RSCA Belle-à-Neuve, en D3 à CFF, et qui était aussi l'ex-directeur technique de Virton, et qui avait fait un travail formidable. Voilà, bonjour Samuel. Bonjour Rudy, bonjour tout le monde, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, j'accueille notre troisième invité, c'est José Heinen, donc entraîneur et formateur, diplômé professeur d'éducation physique, spécialiste en pédagogie des sports collectifs, voilà, qui a eu diverses casquettes en tant qu'entraîneur et formateur. Bonjour José. Oui, bonjour Rudy, bonjour Philippe, bonjour Samuel, bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. Bonjour. Alors, une petite question avant tout, c'est est-ce que vous avez joué dans la rue quand vous étiez jeune? Alors, ben, je vais me lancer. Hein. Donc, personnellement, j'ai joué beaucoup au football de rue, mais pas dans la rue. Parce que là où j'habitais, même il y a 40 ans, c'était très dangereux d'y jouer. Donc, oui, football de rue, mais pas football dans la rue. José. Oui, moi, bien sûr, je suis de la génération ici du football de rue. Bon, on jouait pas dans la rue non plus, mais c'est la philosophie du football de rue. Il y avait un terrain de basket, on n'a jamais joué au basket. Et on jouait en 2, 3 heures par jour, parce qu'il n'y avait rien d'autre finalement. Il n'y avait pas, nous n'avions pas de smartphone, on n'était pas à cette, il n'y avait pas de loisirs, il y avait pas, très peu de loisirs. Donc oui, c'était notre pain quotidien, on travaillait tous les jours. Voilà. Toi aussi, Samuel, là, on est un peu de la Oui, même bien génération. entendu. Le foot de rue remplaçait ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est console de jeu et tout ça, je pense. Ouais, On n'y ça peut plus rien. reviendra. Oui. Alors, quand on parle ainsi, c'est un peu, je parle pour les plus jeunes formateurs et entraîneurs, c'est un peu comme les paroles de la chanson de Charles Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui. Oui. C'est vrai, elle pourrait être d'actualité dans le contexte. Donc, merci à nos fidèles entraîneurs et formateurs qui nous suivent depuis le début et aussi ceux qui nous rejoignent aujourd'hui ou depuis peu. Donc, je rappelle, n'hésitez pas à réagir durant l'émission. Et alors, il y aura aussi un temps de questions avec nos intervenants à la fin des échanges. Donc, n'hésitez pas à réagir soit via le chat de notre chaîne YouTube ou via les commentaires si vous nous suivez via Facebook. Alors, et c'est vrai qu'il n'y a pas encore si longtemps, on va dire, pas encore si longtemps, peut-être un temps certain, c'est vrai que c'était un peu dans la rue que les enfants vivaient peut-être leurs premières expériences en matière d'activité physique, de sport en général et notamment pour le football. Peu importe où on vive, peu importe où on vivait, mais tous les enfants avaient l'habitude de jouer dehors. Et c'est comme ça que des enfants ont découvert aussi peut-être la passion pour le football dans la rue et qui a peut-être vraiment commencé à les développer. On y reviendra. Rappelez aussi peut-être ces phrases cultes quand on jouait dans la rue. Celui qui envoie le ballon trop loin va le chercher. Hein, c'était toujours, comme il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de boarding. On jouait, donc sûrement c'est celui qui jette le ballon qui allait le chercher. Peu importe le score, à un moment, c'est le premier qui marque qui a gagné. Hein, comme on ne comptabilisait pas, quand il fallait déterminer un gagnant, c'était le premier but. Ou alors, ma mère m'appelle, je reviens plus tard. Voilà, peut-être des phrases qui vous disent, peut-être, qui vous rappellent peut-être certains souvenirs. Et c'est vrai que de nos jours, on est confronté à ce problème, notamment de la baisse de temps libre chez les enfants, pas parce qu'ils... On ne le laisse plus sortir, mais parce que le mode de vie, finalement, on l'a dit, a changé. C'est un mode de vie qui est plus sédentaire, en raison de l'évolution technologique. Hein. Il y a eu la télévision, il y a l'Internet, il y a toutes les technologies numériques. Et c'est vrai que, et aussi d'autres facteurs, peut-être l'urbanisation. C'est pour ça que dans certaines communes, maintenant, on est en train de remettre des playgrounds. C'est bizarre.
c'est de on remet à jour des playgrounds. Et c'est vrai que on se dit, ben, enfin, ce foot de rue est appelé peut-être à disparaître totalement. Alors, est-ce que ça, de se poser la question, est-ce que ça a un impact sur les qualités footballistiques de nos jeunes joueurs qui arrivent en club maintenant, voilà, qui arrivent à un certain âge en club, est-ce qu'on voit la différence quand ils jouaient dans la rue ou quand ils ne jouent plus? Et certains disent, et notamment à l'Ajax, que les plus grands joueurs ont joué dans la rue et ils ont beaucoup appris. Et avant de laisser la parole à nos intervenants, j'aimerais vous diffuser un extrait d'une interview de Tibor Balogh sur le sujet du football de rue, parce qu'il y aura un deuxième portrait de coach qui va être réalisé sur lui. Et voilà, il a évoqué à un moment donné, dans son parcours de joueur, ce football de rue. Je vous propose de l'écouter de suite. Le football de rue m'a apporté beaucoup. Il faut savoir que à notre âge, j'étais 8 ans, 9 ans, 10 ans, peu importe, dans la rue, le règlement c'était hard. Ça veut dire tu as joué contre une équipe où il y a des garçons de 10, 20, 18 ans. Alors, si tu n'étais pas en niveau, à ce moment-là, tu as rapidement perdu ta place et tu peux regarder dehors de terrain. Alors, j'ai appris beaucoup et j'ai progressé beaucoup à cette période-là parce que dans ton équipe, il y a plusieurs âges. Actuellement, quand tu fais progresser les jeunes, ils ont toujours le même âge, ils ont joué entre eux. Alors, ça manque beaucoup, beaucoup de physique, manque beaucoup de rythme. Par contre, dans la rue, voilà, tu es une équipe mélange. Alors, tu dois être prêt pour physiquement et techniquement. Sinon, tu n'as pas choisi. Alors, voilà. Alors, peut-être une question à se poser, messieurs, c'est qu'est-ce que le football de rue? Comment le définir? Je ne sais pas qui se lance. Comme vous voulez. Ok, bah je vais essayer. Donc, tantôt, j'ai dit football de rue et football dans la rue. Je pense qu'il y a plus d'une idée de qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans le football de rue qui pourrait être intéressant pour nous dans le football dit classique. Ou qu'est-ce qu'on trouve dans le football de rue qu'on n'a pas peut-être dans le football encadré. Je pense qu'il y a deux grandes notions qui sont importantes. C'est la notion de liberté. Ce sont les enfants qui décident comment on va jouer, avec qui on va jouer, combien de temps on va jouer, selon quelles règles on va jouer. Et cette notion de liberté qui est associée également à cette idée qu'il n'y a pas d'encadrement, mais comme l'a dit Tibor dans l'interview, quelque part, il y a quand même toujours un plus grand, un plus fort, un plus costaud ou un qui est un peu plus de charisme et qui va être le leader de l'organisation. Alors, je pense qu'il a apporté certains points positifs. Je voudrais d'abord laisser la parole à mes collègues et après peut-être rappeler aussi que le football de rue, à mes yeux, n'a pas que des points positifs aussi. Je ne sais pas si vous en pensez. Plus ou moins d'accord avec moi là-dessus. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette notion de liberté que tu as exprimée. Je pense qu'elle induit aussi que les enfants, avec cette liberté-là, prennent peut-être plus de plaisir sur le terrain. Ça, c'était important et du coup, s'épanouissent un peu plus. Mais comme tu le dis justement aussi, je pense que les formateurs doivent être attentifs au fait de ne pas créer des inégalités. Tu parlais du plus grand qui fait une équipe ou qui prend les meilleurs et ainsi de suite. Il faut que les formateurs soient attentifs à ça. Mais bien entendu, il y a beaucoup de choses positives à reprendre du football de rue. José, peut-être une réflexion sur la définition du football de rue. Mais moi, j'ai un peu essayé de, bien sûr, tout ce que dit Philippe et Samuel, j'enchaîne là-dessus, bien sûr, mais je vais essayer peut-être de développer quelques paramètres qui sont intéressants pour la formation du joueur. Disons que l'enfant libre en liberté, ça veut dire que l'enfant est un acteur de sa motricité, c'est important. On peut dire aussi qu'il a une adaptation personnelle aux situations qu'on lui propose. Donc, il n'y a pas de normes techniques, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de normes techniques. Ça, c'est important. Ce qu'il développe, c'est ce que ses ressources lui permettent de faire. On oublie parfois cela dans le traditionnel. Et ces deux facteurs déclenchent quoi? Ce qui est super important,
c'est des actions spontanées. Maintenant, c'est le nouvel mot, on appelle ça des actions préférentielles. En fait, c'est quoi une action préférentielle? C'est la logique du joueur. Et je crois que dans la pédagogie traditionnelle, on considère que tous les enfants sont tous les mêmes, alors qu'ils sont tous différents. Donc l'enfant, dans le foot de rue, permet de s'exprimer, de développer son action et son activité préférentielle. Je crois que ça, c'est très important, parce que c'est celle-là que, plus tard, l'entraîneur pourra former le joueur. C'est ce qui vient à partir de ses ressources. Alors, la deuxième chose que je vais faire remarquer, c'est que c'est ce que j'appelle une imagerie opératrice ou opératoire. C'est-à-dire que l'enfant joue, et il, là, dans le jeu, il joue et il interprète. Donc, il développe le pouvoir de décision et surtout le pouvoir de perception. Il est obligé de voir. Et là, c'est pas des piquets, c'est pas des cônes, c'est des indices de foot où il développe le facteur le plus important, j'en parlerai après, qui est la perception. Je crois que c'est important. Il y a aussi l'affectif, tiens, je vais vite sur l'affectif, parce que là, il joue sans adulte, sans un œil qui corrige, qui regarde, qui casse, qui juge. Il n'est pas confronté aux réactions qui seraient négatives. Il y a bien des duels, parce que nous, on s'engueulait, entre guillemets, mais ça passait, on acceptait qu'on soit critiqué, mais ça n'avait pas d'impact sur notre émotion. Par contre, quand ça vient d'un adulte, c'est pas intéressant et ça crée du négativisme. Et l'enfant, finalement, ben, il peut pas s'exprimer et ça peut empêcher l'enfant de se perfectionner et de progresser. Par contre, le match, et ça c'est important aussi, dans l'apprentissage en acteur, on a besoin de pression. Et pour avoir joué, il y a une pression positive dans le foot de rue. C'est un psychodrame qui se passe tout le temps, quoi. Donc là, quand on n'a pas à faire des passes et qu'on rate la passe, on n'en a rien à cirer. Mais quand on rate une passe dans un match, dans un foot de rue, je vous assure que on l'entend, il y a cette pression. Et dans la formation et dans l'apprentissage d'un acte moteur, on a besoin de motricité. Mais la clé qui gère la motricité, c'est quand même l'émotionnel. Donc l'émotion positive est importante. Je vais aller très vite pour les deux autres. Il y a les stades d'apprentissage. Ça, je ne vais pas vous en parler. José, oui. On va y revenir. Hein. Voilà. Ici, on a bien compris. J'en ai en gros que c'est plein d'avantages. Par contre, pour revenir à ce que dit Philippe et Samuel, il n'y a pas que des avantages. Je vais très vite. L'auto-formation a ses limites. On en parlera peut-être après. Elle a ses limites, donc amener le foot de rue au stade, c'est rendre le foot de rue plus performant. Voilà. Ouais. Et donc, on a anticipé sur la troisième question. Donc, le constat, comme je disais en introduction, il y a moins de football de rue qu'avant. Mais c'est de savoir justement quelles aptitudes et attitudes ce football de rue a permis de développer ou pas. Philippe, Samuel. Comme l'a dit José, je pense qu'il y a un élément hyper important, c'est toute la notion de motricité. Alors, quand on dit football de rue, moi, c'est plus à ça que je pense aussi, c'est que en jouant dans la rue, on joue dans des espaces qui ne sont pas nécessairement des espaces bien délimités, comme le sont les terrains de football, comme sont les agorasprès maintenant dans tous les villages en Wallonie, qui sont en fait des terrains de luxe par rapport à ce qu'on avait avant, mais le fait de se retrouver dans un environnement qui n'est pas toujours favorable à un bon jeu, automatiquement, tu vas développer ta motricité. Comme tu dis, s'il y a un piquet ou s'il y a un poteau en plein milieu du terrain, ça va pas t'empêcher de jouer, mais le piquet, il faudra l'éviter. Et donc, automatiquement, tu vas développer certaines actions motrices. S'il y a une bordure, eh bien, la bordure, il faudra pas tomber dessus, parce que quand tu seras tombé dessus deux fois, la troisième fois, tu vas faire attention et donc, à cet endroit-là, tu vas peut-être faire quoi, sauter ou faire sauter le ballon. Et donc, pour moi, c'est l'environnement qui va permettre de créer toute une série d'actions motrices que tu pourras réutiliser après, directement ou indirectement, dans tes gestes de football. Peut-être même que pour aller jouer au football de rue, là où tu devras jouer, il faudra passer au-dessus d'un grillage. Et ben, t'apprendras à passer au-dessus du grillage sans avoir un trou dans ton pantalon, parce que tu sais qu'en rentrant à la maison, si tu as un trou dans ton pantalon, tu vas encore te faire engueuler par ta maman, quoi. Donc, c'est tout le cadre qui, pour moi, permet
de développer tout cet aspect moteur. Et je pense que ça, c'est le plus grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les enfants aujourd'hui ont un grand retard moteur. Alors, dans la compréhension du jeu, dans l'esprit, je pense que les enfants sont super aujourd'hui. Par contre, dans le développement moteur, et qui est quand même la base de tout, c'est là qu'on a beaucoup perdu. Je pense qu'on a gagné plus avec le foot de rue au niveau moteur qu'au niveau vraiment football. Moi, dans le football de rue, j'ai pas appris à faire des passes, j'ai pas appris à faire des dribbles, j'ai pas appris à faire des contrôles orientés, même si je l'ai fait indirectement. Mais ce que j'ai appris surtout, c'est ce développement moteur et peut-être tout l'aspect mental qui se tourne autour du football de rue. Oui, je crois que tu as raison là, Philippe. En fait, on a trop scolarisé l'apprentissage du foot. Tu vois, on en parlera plus tard. Finalement, on a d'abord, que tu dis, moi j'appelle ça une bibliothèque motrice, une bibliothèque d'apprentissage, des bibliothèques moteurs. L'enfant, une bibliothèque de mouvement, il va chercher dans des situations variables, qui elles-mêmes sont variées, il va chercher plein de situations différentes sur le plan moteur. Plus il a d'expérience motrice, plus il sera disponible quand l'enfant, après le passage du foot de rue, plus il sera disponible pour l'entraîneur qui va. Ça s'appelle la disponibilité motrice. C'est l'enfant doué. Maintenant, ils ne sont pas tous doués au même niveau, mais avec le foot de rue, ils développent leur développement général. Mais l'avantage du foot de rue, c'est qu'il développe le développement spécifique foot. Il a tous les indices du foot. La réversibilité, la continuité, les mouvements, la mouvance. Donc là, c'est vraiment le laboratoire. C'est vraiment l'idéal pour développer sa psychomotricité. Ou sa motricité plutôt, générale et spécifique, et en liberté, sans copie, sans modèle, sans apprentissage hors contexte. Je crois que ça fait, il faut qu'on revienne et qu'on essaie de ramener justement toutes ces données pour construire au stade le foot qui va ressembler au foot de rue. Mais on en parlera plus tard. Quand faut-il l'amener? J'expliquerai. Quand il faut le placer et où et pourquoi, sans savoir si j'ai raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien entendu, sur le développement moteur qui est le plus important dans ce qu'on doit apporter aux jeunes. Et on doit réfléchir sur comment, dans nos séances, revenir à ça beaucoup plus souvent et revenir sur le foot de rue. Philippe l'a très bien dit. Voilà. Bouger autour d'un piquet, sauter au-dessus d'une barrière et tout ça, je veux dire, on n'est pas obligé de remettre ça en place. Mais je crois que le développement moteur induit plein de choses au niveau de la formation du footballeur, notamment dans la prise d'information et tout ça, d'aller plus vite dans tout ce qu'il fait. Et ça, je pense que c'est important qu'on le remette dans nos séances pour les jeunes. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu toute une vague à un moment donné de développer la psychomotricité chez les petits ou pas? Est-ce que ça a un lien? Je pense que oui. Je pense que les gens qui réfléchissent football, qui réfléchissent au développement des enfants, se sont bien rendus compte que le développement moteur ne se fait plus dans le cadre familial, ne se fait plus dans le cadre de l'école, pas assez, et que donc, il faut. Soit on peut se lamenter et dire, les enfants maintenant ils savent plus courir, ils savent plus sauter, ils savent plus tourner, ou on dit, ils savent plus courir, ils savent plus sauter, ils savent plus. Qu'est-ce qu'on a comme moyen à notre disposition pour essayer quand même de pallier à ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme moyen à notre disposition? Eh bien, ce sont peut-être nos entraînements de foot, nos entraînements de basket, nos entraînements d'athlétisme. Eh bien, allons peut-être remettre artificiellement dans ces entraînements quelque chose qui se faisait de manière naturelle avant. Je me souviens, à 3 ans, j'allais à pied à l'école et il y avait 1,5 km de l'école. J'avais 3 ans. Aujourd'hui, même moi qui suis convaincu que c'est très bien, je serais très fâché sur ma fille si jamais elle dit mon enfant, je vais le laisser aller à l'école, il y a 1 km à faire, il ira à pied, il a 3 ans. Donc, même si je suis persuadé que c'est une bonne chose. Après, on allait à vélo, on organisait des courses à vélo. Il y avait une autoroute en construction, mais on faisait des courses en côte, on faisait du cyclo-cross, on allait dans les champs parce qu'on n'avait pas des beaux vélos. Donc, quand tu casses un vélo qui n'est pas beau, c'est pas grave. Par contre, ton beau vélo, tu fais tout pas que tu le casses. Et je pense qu'il y a une autre notion qui est importante, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, on cocoune nos enfants de trop. Alors, on est tous d'accord pour le dire et on est tous responsables, en fait. Moi aussi, on cocoune nos enfants.
Comme on dit, tu vas quand même pas aller à l'école en vélo aujourd'hui, tu as vu comme il pleut. Ben, nous, avant, quand il pleuvait, ben, on roulait encore plus vite. Voilà. Oui, après, Rudy, tu parlais. Excuse-moi, José. Excuse-moi, José. Vas-y, vas-y. Après, Rudy, tu parlais de psychomotricité chez les plus petits. Je trouve qu'on a tendance à trop parler chez les plus petits. Pour moi, la psychomotricité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça travaille à tout âge. Quand on voit des jeunes de 14, 15, même 16 ans, et même en équipe première, au niveau de la psychomotricité ou de la coordination, c'est pas génial. Et je trouve que c'est un aspect qu'on devrait beaucoup plus travailler dans nos séances. Ça fait partie, José et Philippe en ont très bien parlé, du développement moteur. Et ça aussi, c'est à travailler encore et toujours. Et voilà, c'est important. C'est ce qu'on appelle communément ceux qui ont deux pieds gauche, c'est ça. Je crois que la psychomotricité, bien sûr, elle est intéressante. Mais quand on est dans un petit club et qu'on entraîne deux fois par semaine, moi, je crois que il faut, je ne dis pas, c'est pas intéressant les situations de psychomotricité en dehors du foot, mais quand on est, quand on manque de temps et qu'on a deux entraînements par semaine. Puisque le foot de rue, la philosophie du foot de rue nous apporte une psychomotricité spécifique, je vois vraiment, alors, pourquoi, alors, aller faire des exercices et des situations alors qu'on manque de temps, pourquoi ne pas les faire jouer, puisqu'on sait que là, c'est réellement bénéfique. Je crois que là, il faut aller vers ça. Le gros problème de notre société, c'est que l'environnement parental, et les autres aussi d'ailleurs, pas seulement parental, mais dirigeants, etc., ils veulent de l'organiser parce que les parents ne comprennent pas quand les enfants ne font que jouer. Et j'expliquerai plus tard, on ne fait pas que jouer, il y a plein de contraintes, c'est organisé. Mais quand ils voient l'enfant qui ne fait que jouer, ils disent, ils vont regarder à côté un entraîneur qui fait de la psychomotricité avec plein de cônes, avec plein d'histoires. C'est très beau tout ça, et les parents, ils iront vers qui? Pas vers l'entraîneur qui fait une situation globale de match où les parents pensent que ça ne va pas. Ils veulent des résultats immédiats, ils veulent du structuré, ils veulent du scolarisé. Mais voilà, on est parti. Et c'est un peu ça qui empêche le développement moteur général et les joueurs sont formatés, robotisés, etc. Mais c'est un peu la société qui demande. Et dans toute l'Allemagne, je travaille avec l'Allemagne, la France, je ne sais pas, mais l'Allemagne, certain, là, ils sont en train de changer. Ils sont en train de changer. Il faut retrouver une certaine liberté où l'enfant va apprendre à développer son moteur et sa créativité, son originalité. Et je crois que le foot de la rue, moi, je suis persuadé qu'il apporte. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus en expérimentation. 3e année pas bonne parce qu'il y a le Covid. Enfin, je trouve quand même qu'il y a des choses vraiment à retirer. Et peut-être à penser un peu plus loin dans le développement. Voilà, donc psychomotricité, oui, mais pourquoi pas le faire directement avec le foot, en liberté. Voilà. Justement, je vais te donner la parole. Mais justement, il y a une remarque justement de Stéphane Pecker, et on le verra après, c'est comment implémenter ces notions de football de rue dans nos séances d'entraînement. Et c'est vrai qu'il le dit, et c'est plus un esprit qu'un lieu, en fait, finalement. C'est avoir cet esprit... que finalement de dire le foot de rue ne joue que dans la rue, il peut jouer aussi pendant nos séances. Et juste une autre remarque par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la psychomotricité de Martial Collins, qui dit « j'ai un enfant de 5 ans qui a commencé et il a fait 1 an de gym avant, la différence en psychomote avec les autres était énorme ». C'est l'évidence même. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Moi, personnellement, je conseille aux enfants, pendant les vacances, de ne pas faire de stage de foot, même s'ils sont en élite. Parce que bon, les parents pensent, bon, il y a toute la problématique de la spécialisation précoce, mais certains parents pensent, voilà, il a déjà 3 entraînements par semaine, pour qu'il soit plus fort, on va lui mettre un stage, on va lui mettre de l'accompagnement dans une académie et de la conditionnement. Et moi, je leur dis non, faites de la danse, faites du volleyball, faites du basket, faites un maximum d'expériences sportives différentes. Alors oui, je risque peut-être de perdre un joueur qui va se rendre compte qu'il est bon au basket et peut-être qu'il est encore meilleur au basket qu'au foot et donc je vais peut-être le perdre. Par contre, le retour positif que je peux avoir de tous ces joueurs qui vont faire autre chose et qui vont se faire des nouvelles expériences motrices est pour moi plus important que le risque de perdre peut-être un joueur. Donc, essayons de faire un maximum de choses. Alors, par rapport au nombre d'entraînements, quelqu'un disait tantôt,
Oui, mais les clubs où il n'y a que deux entraînements par semaine, c'est peut-être plus difficile à mettre en place. Entièrement d'accord. Quelqu'un me demandait, tiens, Philippe, à 8 ans, 9 ans, combien d'entraînements tu penses qu'ils peuvent avoir sur une semaine? Et j'aurais répondu, bah, j'irais, si c'est 20 heures à 30 heures, c'est bien, l'entraînement. Bah, pourquoi 20 heures à 30 heures? Bah, j'ai dit, parce que moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petit. J'avais 20 heures à 30 heures d'entraînement. Ah ouais? Ouais, sauf que je jouais pendant 20 heures à 30 heures. Et jouer, c'est de s'entraîner, en fait. Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus le cadre pour pouvoir le mettre en place, ça, ou se le mettre en place. Et donc, il faut compenser par autre chose. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas que des clubs aient 10 entraînements par semaine. Sauf que, il faut bien voir ce qu'on va mettre dedans. Et là, on doit essayer de remettre dedans, parce que pour 10 heures par semaine, c'est clair que c'est utopique, mais on doit pouvoir remettre dedans des contenus qui sont appropriés aux enfants. Et alors, j'anticipe peut-être déjà un petit peu sur ce qui va être une autre question plus tard, mais on parlait de comment est-ce qu'on peut implémenter le football de rue dans les entraînements, dans les compétitions. Eh bien, je pense que la CFF et la VV, et d'ailleurs, on a été plébiscité pour ça dans toute l'Europe, le 2 contre 2, le 3 contre 3, c'est pour moi du football de rue organisé. Football de rue organisé, parce qu'on retrouve dans le 2 contre 2, le 3 contre 3, beaucoup d'éléments qu'on retrouvait dans le football de rue, surtout quand les coachs n'interviennent pas. Et là, on retrouve vraiment ce football de rue, le 2 contre 2, le 3 contre 3. Et alors, une dernière chose par rapport à peut-être la première question, est-ce qu'il faut réimplémenter le football de rue? Je pense que José je tombe plus, Samuel Samuel. l'a évoqué aussi, dans le football de rue, il n'y a pas que des bonnes choses, hein. Alors, on est tous favorable au football de rue, mais quand on regarde un petit peu nos profils, on a tous réalisé quelque chose dans le monde du foot. Il y a aussi beaucoup de gens, j'en ai fait partie. Je me souviens, première primaire, j'arrive dans la cour de la nouvelle école, et je veux jouer au ballon. Et un match, et je veux m'intégrer dans le match. Brutzard, toi t'es trop petit, dégage, tu joues pas. Et donc, j'ai eu le droit de me mettre derrière le but pour aller récupérer les ballons lorsque le ballon était derrière. Bon. Il s'est fait que ça ne m'a pas empêché de continuer à jouer au foot plus tard, mais je suis sûr que j'ai des copains qui, dans la même situation, eh bien, n'ont pas joué au foot, justement. Donc, le foot de rue, oui, mais essayons absolument de retirer les bonnes choses du foot de rue. Qu'est-ce qui peut être utile pour nous? Et, essayons de l'implémenter dans le football encadré, entraînement, mais essayons aussi de ne pas prendre les mauvaises choses du football de rue. Parce que ça, c'est un élément important aussi dont il faut tenir compte. Et voilà, tu as fait la transition, mais est-ce que vous, en tant que directeur technique ou ancien directeur technique, est-ce que vous avez ces principes qui se retrouvent dans vos plans de formation? On a parlé du 2 contre 2, 3 contre 3 qui est arrivé, hein, avec la CFF et la Absolument, oui. VFB. Enfin, je pense que vous parlez là, en ce qui me concerne en tout cas, un convaincu. Donc, on le met en place. Peut-être vous demander peut-être à Samuel, parce que je pense que je monopolise un peu beaucoup la parole, du coup. Non, José. Oui, moi je crois que Philippe vient d'en parler, le festifoot, le 2 contre 2, le 1 contre 1, 2 contre 2 et 3 contre 3, c'est une amorce. C'est une amorce du foot de rue, disons le foot en liberté. Mais je crois qu'il faut, et pour revenir à ce que disait Philippe, il y a le foot de rue a ses limites, je pense, mais je pense à des limites motrices. En fait, le foot de rue, l'enfant ne fait que ce qu'il réussit. Ce qui veut dire que dans le foot de rue, il développe sa compétence et sa compétence préférentielle. Le dribbleur, il n'arrête pas de dribbler. Soyons précis, et c'est vrai, il dribble. Quand je vais chercher ma petite fille à l'école et que je vois les dribbleurs dans la cour, il joue. Mais c'est sûr qu'il regarde, il prend la balle, il dit tout le monde. Donc, en fait, c'est pas suffisant. Je crois que c'est la seule limite. C'est pas suffisant. Il faut qu'il découvre le foot de rue au stade, mais après, alors, il est pris en charge pour justement développer tout le reste qu'il a un peu négligé parce que ça n'intéresse pas lui. Il fait que j'ai réussi. Moi, je vois que cet inconvénient-là, pour le reste, mais il y a plein d'avantages. J'en ai parlé tout à l'heure, hein. Il y a surtout le geste spontané qui se déclenche. Il y a les stades d'apprentissage que l'on apprend tout seul et qu'on ne doit pas apprendre hors du contexte jeu. Il y a l'affectif, il y a surtout la perception. Et puis j'en viens très vite à l'essentiel, le foot de rue,
c'est une situation signifiante. Ça veut dire qu'elle procure du plaisir. Plaisir égale motivation, motivation égale apprentissage. Je suis pas sûr que quand on apprend de la gestuelle en dehors du contexte jeu, l'enfant éprouve du plaisir. Quand il n'y a pas de plaisir, il décroche. Quand il n'y a pas de plaisir, il n'est pas motivé. Quand il n'est pas motivé, il ne progresse pas. Donc, il y a cet aspect, je prends mon sac, je vais au stade, c'est pour jouer. C'est important. Et j'essaierai de vous expliquer quand il faut placer le foot de rue dans notre formation, pour en revenir à la question qu'il disait tout à l'heure. Pourquoi on est arrivé à du foot, refuser le foot non structuré? Ben, il y a la société qui demande ça. Elle demande ça parce que l'enfant doit être performant immédiatement, il doit réussir immédiatement. Ils ont l'impression qu'en leur apporter de l'extérieur plein de connaissances qu'on transfère, le gamin va développer sa motricité, soit qu'il y a une erreur fondamentale. Ouais. Pour revenir à la question, Rudy, vas-y. Comment intégrer le football de rue dans le plan de formation? Bien entendu, ce qui est le plus important, c'est on en a déjà parlé, mais c'est la liberté d'action du joueur, je crois. Et ça, c'est un terme aussi du football de rue. Et mettre tout cela dans un cadre, ça, c'est important, parce qu'on parlait des choses négatives du football de rue. Si on définit bien le cadre, comme il est fait dans le foot à 2 contre 2, à 3 contre 3, où je trouve que c'est vraiment génial pour le développement des enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de voir un enfant s'épanouir sur le terrain? Et il s'épanouit, j'en suis convaincu, parce qu'il est libre de faire tel ou tel geste, tel ou tel passe, telle ou telle chose. Et c'est à partir de là qu'il peut vraiment progresser. Donc oui, c'est à implanter dans nos plans de formation, mais dans un cadre au niveau du mental, c'est important. Oui, José? Oui, tu as raison, hein, Samuel, amplement raison. Maintenant, je vais tout rebondir. Il faut l'implanter dans nos formations. Et quand faut-il l'implanter? À quel moment? Mais c'est tout simple. Hein. Il faut le placer quand l'enfant est dans sa phase de découverte du foot. Dans la phase, ce que les spécialistes appellent la phase exploratoire. C'est-à-dire, l'enfant vient au stade en 6, 7, 8. Eh bien, pendant cette période-là, il faut absolument donner des séances non structurées, des séances qui sont dérivées du football de rue. Et je crois que il faut absolument passer par ce stade-là. Il faut passer. L'enfant n'a plus. Il y a ce passif-là de manquement, de développement en liberté. Donc, il faut lui donner l'occasion de le faire quand il vient au stade. En fait, c'est apprendre à créer des réponses motrices et pas seulement la réponse motrice. Voilà, c'est un développement moteur général. Je crois que, et là, dans le foot de rue, il apprend à quoi faire et pas le comment faire. Le comment faire, c'est après. La gestuelle, c'est après. Tous les pédagogues vous diront dans les nouvelles tendances. Donc, il faut passer par le foot de rue, passer par la philosophie du foot de rue, dispenser dans nos clubs. Mais, je vous dis tout de suite, c'est un vieux rêve, mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Voilà. C'est facile de faire 1, 2, 3, hop, et ouvre ton pied comme ça, fais ci, fais ça. Non, c'est extrêmement difficile à gérer, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Vous en parlerez tantôt si on soulève le problème. Oui, tout à fait. Voilà. On verra tout à l'heure une question sur le rôle du formateur dans cette mise en place. Maintenant, ma question concrètement dans une séance, hein, si on parle concret, est-ce que si vous introduisez cette notion de football de rue, est-ce que c'est vous-même qui configurez le jeu ou vous laisseriez vos joueurs configurer le jeu concrètement? Je pense qu'on doit, en tant qu'adulte, être capable de faire croire à l'enfant que c'est lui qui prend la liberté sur l'organisation du jeu. Donc, puisqu'on est adulte, puisqu'on est d'excellents coachs, on doit redonner la main aux enfants, mais on doit donner la main que nous, on voudrait qu'ils prendraient, justement. Et donc, on doit leur donner l'illusion, même si dans la pratique, ce sera le cas, mais l'illusion que c'est eux qui décident, alors que c'est nous qui les avons mis sur la voie. Et dans ce sens-là, le coach est avant tout, à mes yeux, un guide, tout comme le RTFJ est un guide pour ses coachs. Le RTFJ qui dit « j'arrive dans mon club et je vais
à partir de maintenant, on va travailler comme ça, comme ça, comme ça, parce que j'ai été à Anderlecht ou au Standard ou à Bruges et que là-bas, ils travaillent comme ça et que je sais que c'est la bonne manière, ça ne marchera pas. Par contre, on peut l'avoir en tête et se dire, tiens, je voudrais qu'on travaille comme ça, je voudrais qu'on fasse ceci, je voudrais qu'on arrive à ça. Je vous raconterai tantôt l'expérience que j'ai eue à Courtrai et qui est pour moi fondamentale dans mon développement personnel et ma vision du football et de l'encadrement et du coaching. Mais on doit essayer d'amener l'enfant, le coach, à croire que c'est lui qui a découvert et que c'est lui qui prend la main sur le jeu, l'exercice et même le match. Même le match, c'est lui qui prend la main. Voilà. Mais c'est ce que je voulais. Oui. Vas-y, Samuel. Cette notion de guide, elle est fondamentale. Comme le dit super bien Philippe, on en parlera tout à l'heure dans le rôle de l'entraîneur. Mais voilà, montrer à l'enfant que c'est eux qui vont prendre les choses en main, c'est aussi leur donner confiance. Et un enfant qui a confiance sur le terrain, bah, il va s'épanouir beaucoup plus. Et voilà, moi, je m'excuse, je me répète à nouveau, mais cette notion de guide est vraiment fondamentale parce que c'est aussi mettre un peu aussi son humilité de côté, dans le sens de ne pas vouloir tout diriger et de laisser les enfants vraiment être acteurs. José a parlé tout à l'heure que c'était être acteur du jeu et ainsi de suite. C'est fondamental pour le jeune de leur montrer sur le terrain que ce sont eux qui dirigent. Et ça, c'est important. En fait, oui. J'enchaîne un peu. En fait, il faut conceptualiser les situations. En fait, l'enfant construit sa motricité en fonction d'une adaptation à un environnement, qui est le foot, qui est la situation totale, qui est le match, en 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5, 2 contre 1, ça n'a pas d'importance, mais il faut le nombre, si on peut gérer l'espace et le nombre, il faut en tenir compte, mais l'essentiel, c'est de préparer des situations avec des contraintes où l'enfant, vous le mettez dans la situation, vous le laissez libre, vous n'intervenez pas, il joue, il s'exprime, vous êtes là pour voir ce qu'il réalise, ce qu'il ressort, sa progression personnelle, mais c'est lui qui est l'acteur principal et vous devez organiser les situations pour que l'enfant puisse développer sa spontanéité. Spontanée, j'y reviens à la spontanéité, parce que c'est celle-là que il va utiliser en match. Oui, donc c'est important. Donc, cette philosophie de rue est très importante, mais difficile à mettre en place. On en parlera tout à l'heure pour le rôle de l'entraîneur, ce qu'il est, ce qu'il n'est plus, et ce qu'il doit être. Mais c'est profondément différent de ce que l'on demande à un entraîneur d'autres catégories. Voilà, je crois que voilà, j'ai répondu. Philippe, tu parlais de finalement de mettre en place sans que l'enfant ne le sache. Est-ce que tu vas te configurer un environnement, mais par exemple au niveau des buts, est-ce que tu laisserais déterminer? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait notre t-shirt, notre manteau, on mettait 2 mètres. La fois suivante, on mettait 3 mètres. Parfois, on mettait que 1 piquet. Est-ce que à ce niveau-là, tu le laisserais libre? Tout à fait. Je prends encore une fois une expérience, un coach qui vient et qui dit « Ah, Philippe, tu sais, j'ai pas de but aujourd'hui pour mon entraînement. » Ok, j'y suis un problème. Ah ouais, je vais faire un exercice de finition. Ouais, bah, j'y, soit tu changes d'exercice, soit est-ce que c'est vraiment un problème de pas avoir de but? Puis le fait de pas avoir de but, qu'est-ce que ça va t'apporter en plus? Ben non, mais c'est pas possible. Hein. J'y suis. Déjà, ils vont pas tirer en l'air parce qu'il n'y a pas de limite extérieure. En haut, donc il va être obligé de regarder, de tirer vers le bas, donc le ballon va rester par terre. Premier avantage. Ah ouais, bien, c'est vrai, c'est pas con ça. Un autre qui arrive, ouais, Philippe, j'ai toujours pas eu mes chasubles. Bah, t'as bien des chasubles. Bah ouais, bah oui, il y a marqué plan d'entraînement ici, plan d'apprentissage, 3 contre 3 aujourd'hui. J'ai pas de chasubles. Comment tu veux que je fasse? Ok. Il y a l'école, ils font des 3 contre 3. Ouais, sûrement, ouais. Ou même 4 contre 8. Et ils ont des chasubles. Ah non. Et il joue pas, donc, alors, il joue pas quand il n'y a pas de chasuble. Ah ouais, juste ici, quand même, il joue. Et ils font comment, alors? Ben, je sais pas, je suis pas là, moi. Ben, voilà. 2 bêtes exemples. J'ai pas de but. Ben, je mets 2 canettes. Encore mieux. Allez ramasser 2 canettes. Et quand vous avez fini votre match, les canettes, vous les mettez dans la poubelle. Voilà. On a au moins ramassé 2 canettes ou 4 canettes qui ont servi à quelque chose. Et dans l'approche de l'exercice, ben, indirectement,
vous avez obligé les enfants à regarder, tirer dans les coins des buts, et pas vers le haut. Parce que il y a des coachs qui, quand on est dans le 5 contre 5 ou 8 contre 8, ils ont vu qu'en face, le gardien était petit, et ils conseillent alors plus fort de tirer en l'air. Ok, ils vont gagner des matchs, ils vont marquer des buts. Au niveau de l'apprentissage, je ne suis pas sûr qu'ils aient appris beaucoup. Voilà. L'idée de pas de chasuble, ben, au moins tu dois regarder avec qui tu joues. Et tu vas lever la tête, même si dans les préférences motrices, on n'est pas toujours convaincu qu'il faille lever la tête pour mieux voir, mais tu dois au moins regarder et développer cette compétence dont parlait José tout à l'heure, qui était la perception. Tu vas prendre l'information. Disons, ah, c'est difficile d'apprendre aux joueurs de prendre l'information. Ben, enlève tes chasubles, ils vont déjà prendre plus l'information que s'il y a des chasubles. Et voilà, tu as gagné quelque chose. Et c'est là le rôle du coach qui est important. Comment est-ce que je vais m'adapter aux différentes situations et comment je vais faire d'une situation qui pourrait être négative au départ, comment est-ce que je vais la rendre positive et Chris Van der Hagen emploie souvent ce mot-là, le pourquoi de ce que tu fais, le pourquoi de ton exercice, le pourquoi de ta forme de match, le pourquoi de l'activité que tu vas organiser avec tes enfants. Ça me semble hyper important. Toujours donner du sens à ce qu'on fait et expliquer aux enfants pourquoi on le fait. Ici, j'ai eu hier soir un courrier d'un parent, ou avant-hier soir, un courrier d'un parent, qui me dit « Philippe, parce que j'ai vu qu'à l'entraînement, ou l'enfant m'a dit à l'entraînement, parce qu'ils ne peuvent normalement pas voir, d'ailleurs j'ai répondu là-dessus, parce que normalement ils ne peuvent pas voir, parce que les entraînements sont à huis clos pour les raisons de corona, mais le parent, il a quand même réussi à voir, qu'ils ont fait de la danse. Est-ce que tu trouves ça normal que le coach leur a demandé d'inventer un pas de danse ?» Ben, les enfants l'ont trouvé normal parce qu'on leur a expliqué pourquoi. Mais le parent, lui, se dit, moi j'ai payé une cotisation pour un club professionnel et dans ce club professionnel, j'ai un compte d'entraîneur qui a mis un quart d'heure de danse dans les exercices. Donc j'ai payé pour faire de la danse et pas du foot. Encore une fois, il n'a pas compris le pourquoi de l'exercice, pourquoi de l'activité. Et si tu l'expliques aux enfants, tous les enfants qui l'ont fait savent très bien pourquoi ils l'ont fait. Et ils sont convaincus que c'est bien de le faire. Voilà. Je pense que ça, c'est une des pistes importantes. Mais on reviendra sur les coachs tout à l'heure. Oh, on en a... Voilà. Rudy, on ne t'entend plus. Oui. Rudy, désolé, aussi. Mais... Ah, voilà. Je vous écoutais religieusement, donc j'avais coupé mon micro. Je disais qu'on n'a pas encore assez intégré que les d'autres disciplines et d'autres sports peuvent contribuer à la formation des joueurs. Et l'exemple du pas de danse en est un. Mais, on parlait tantôt de l'Ajax, mais les grands clubs européens l'intègrent maintenant. Hein. Je parlais d'un autre club que je connais un petit peu mieux depuis quelques mois, le club de Lille. Eh bien, ils ont une séance, une heure par semaine de sport de combat. Ils ont, pendant un cycle, une séance de danse, justement. Et ils ont un cycle de sport raquette. À Bruges, les enfants ont une séance de judo par mois obligatoire et qui se fait dans le cadre des entraînements. Donc, pas de judo, mais ils ont une séance de judo à Courtrai. Ils ont une séance de judo à Courtrai. Ils ont créé des équipes. On parlait de, j'ai vu quelque chose passer. Ils ont créé des équipes de futsal et ils participent à des championnats de futsal. L'objectif, c'est pas de gagner le championnat de futsal ou de se préparer à faire du futsal, mais le dimanche après-midi, ils sont inscrits dans un championnat régional de futsal et les enfants qui le souhaitent, eh bien, ils peuvent le faire. Avantage, c'est au moins le club garde la main sur l'activité parce que de toute façon, les enfants, ils vont aller faire du futsal à gauche et à droite, mais peut-être pas dans un environnement qui est propice à la philosophie du club. Là, au moins, tu reprends la chose, tu reprends la main sur l'organisation, mais tu intègres clairement d'autres sports et d'autres activités. Et on revient toujours au point de départ, d'autres activités motrices qui seront utiles au développement de l'enfant. Oui, mais je crois qu'au niveau des grands clubs, ils peuvent se le permettre. Mais dans les petits clubs, c'est inutile. Donc, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Donc, dans les petits clubs, s'il vous plaît, il faut jouer. Donc, il faut ramener le foot de rue au stade. Ça reste dans la pré-formation de l'appris, ici, j'y sais plus. Enfin, ça dépend. Il faut que l'enfant soit confronté à
ce foot en liberté. Et après, évidemment, il y a l'après où l'entraîneur module et corrige. Comme les enfants ne vont pas au même rythme, je pense même qu'il serait temps de individualiser, pas individualiser, plutôt de différencier le travail, parce que les enfants n'ont pas les mêmes manquements, ils n'ont pas les mêmes, donc on travaille sur leurs points forts après, et on travaille sur leurs manquements, mais ils sont différents. Donc là, c'est peut-être un point aussi, mais ça n'a rien à voir avec le foot de rue, mais c'est la conséquence du foot de rue. Mais peut-être, si on prend tout et qu'on met tout, et qu'on met tous les enfants au même stade, et qu'on les entraîne tous de la même manière, ils apprennent tous la même chose, là, il va falloir commencer à différencier les structures d'entraînement, différencier par groupe. Enfin, soit, il y a plein d'options, mais le foot pour tout le monde, l'enseignement pour tout le monde, l'enseignement général, non. D'ailleurs, le foot de rue le différencie très bien. C'est intéressant. Hein, le foot de rue, on doit oublier, l'enfant s'approprie la motricité. On n'apporte pas d'extérieur. On ne construit pas un meneur de jeu. Ils ne rêvent pas. J'ai jamais construit un meneur de jeu. J'en ai eu quelques-uns dans mon parcours d'entraîneur. Mais je l'ai apporté j'ai apporté des notions pour le rendre peut-être plus performant. Mais, on ne construit pas un dribbleur. On ne construit pas un meneur de jeu. Et on les accompagne dans leur progression. Mais ils se construisent où, ces gens-là? Dans le foot de rue. Parce que est-ce là, que ils vont chercher leur motricité spontanée. J'arrête. José, est-ce que justement une des solutions, peut-être, pour, comme tu dis, pour les petits clubs, au lieu de faire une troisième séance de spécificité technique, n'est pas de faire une troisième séance de football de rue? Est-ce que ce serait peut-être pas plus bénéfique ou pas? Écoute, moi, je ne fais plus de séances traditionnelles, tu vois. C'est le foot de rue. C'est le foot. En fait, c'est la philosophie du foot de rue. Les enfants jouent, mais la préparation de la séance est extrêmement compliquée parce qu'ils ne font pas. Ils jouent, mais ils jouent avec, dans la composition et dans la formation des situations, il y a des contraintes qui vont développer leur motricité. La leur, mais il n'y a pas de modèle, il n'y a rien. On joue tout le temps. Exemple, ils arrivent, est-ce que tu fais un échauffement? Bien sûr que non. De physiologie sportive, je vais pas faire un échauffement avec des enfants qui ont cet âge-là. Et puis, Philippe, c'est bien que quand il allait jouer sur la peine, il s'est chauffé. Ben, il n'est pas trop de la peine. Donc, pas d'échauffement. La prise en main, je vais aller très vite, la prise en main, eh bien, c'est très simple, c'est un match. Les gens arrivent, et alors c'est un match multi-but, multi-ballon. Mais il y a plein de situations différentes. Ils jouent avec des ballons de... différent sur le plan du poids, sur le plan du diamètre, soit ils jouent avec des ballons différents, avec deux gros, trois gros, etc. Ça n'a pas d'importance. On organise sous des situations différentes, mais ils jouent. Et on sait très bien que là, l'enfant joue seul, il n'y a pas de collectif, et ça n'a pas d'importance. Chacun, il met des buts, chacun, il trouve son intérêt, chacun s'amuse là où il y a des multi-ballons, des multi-buts, et dites-vous bien que, ça, si on peut le faire pendant une heure et demie après, ils sont toujours en train de jouer parce que c'est une situation significative. Alors, sur le plan moteur, il y a les ruptures motrices. Vous savez très bien, plus il y a des ruptures motrices, plus l'enfant progresse sur le plan moteur. Donc, il n'y a pas de répétition puisque les ballons sont différents, les situations sont différentes, il y a des ruptures motrices, se développe tout. La perception et la motricité dans un foot en liberté, à l'échauffement. Et tout le reste de l'entraînement est dans cette trame-là. Je peux l'expliquer plus tard, mais enfin, je vais m'arrêter. C'est simplement pour vous dire que l'enseignement traditionnel de l'enfant qui vient au stade, avec on apprend, la gestuelle, non. On apprend la perception, la décision et la gestuelle, je m'en occupe pas, c'est pour plus tard. Pourquoi? Parce que l'enfant s'est formé, il sera doué, il aura développé la situation, et alors on pourra le rectifier, l'accompagner. Et alors, ne parlez pas de faux apprentissages et de mauvais gestes, etc. Je vais pas faire un développement là-dessus, ça me demande 5 heures. Hein, je n'y crois pas. Samuel, tu voulais réagir peut-être? Voilà. Oui, tu parlais dans les petits clubs de pourquoi pas intégrer une troisième séance que de foot de rue. Bien entendu, ce serait l'idéal.
Mais il faut aussi rester réaliste. Ça peut être compliqué dans les petits clubs, voilà, de lancer une troisième séance foot de rue. José en parle très bien. Il faut qu'on mette ça dans nos séances quotidiennes. Quand je dis quotidiennes, dans nos séances hebdomadaires plutôt, d'intégrer toujours au niveau entraînement pour que le joueur soit spontané dans tout ce qu'il fait, spontané. Et j'en reviens aussi à la liberté d'action. Donc voilà. Mais ça représenterait quel pourcentage pour toi ? Si on fait deux séances, qu'est-ce que tu... J'ai envie de répondre. Tant que le joueur prend du plaisir et qu'on voit qu'il évolue, ça c'est important. Après, si ça doit durer une heure et demie, ben, ça dure une heure et demie. Et si on doit dépasser à 1h45, il faut que les parents acceptent de reprendre leur enfant 15 minutes plus tard et puis on y va. Rudy, oui, Samuel, j'enchaîne parce que tu as vraiment raison, tu as proprement raison. Disons que, Rudy, on ne place pas le foot de rue dans une séquence d'un entraînement ordinaire ou un entraînement que l'on fait d'habitude. Non, le foot de rue, la philosophie du foot de rue, c'est une séance, c'est deux séances, c'est trois séances, c'est une période, c'est un moment. Et quand faut-il le faire? Quand faut-il le placer? C'est quand l'enfant vient au stade. C'est là, et il y a plein de situations, et comme dit Samuel, quand l'enfant prend du plaisir, quand c'est signifiant pour lui, c'est quand même, il le fait et il progresse, c'est quand même plus intéressant que de mettre face à face et d'apprendre à faire une passe à l'intérieur du pied, qui ne représente rien, sauf pour l'éducateur. Mais l'enfant, pas, c'est pas son truc. Il faut absolument qu'on revienne, c'est une situation signifiante, liberté, l'action, ça génère quoi? Le geste spontané, c'est celui qu'il fera l'enfant. Vous n'allez pas le changer. Vous allez l'apprendre à organiser sa situation spontanée, à être plus performant après. Mais c'est celle-là qu'il fera dans une situation sous pression. Ça s'appelle les actions préférentielles. Donc, essayons de les développer et puis après on verra. Et on sait les développer que dans une situation de match, dans une situation, non, d'opposition. D'opposition, de confrontation, vous avez tous les indices. Il faut que, c'est impossible que l'enfant, hors du contexte, réagisse et travaille, par exemple, la réversibilité. Ben oui, si on fait des exercices, il n'y a pas de réversibilité, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de mouvance. Non, il n'y a pas de perception. Et Philippe et Samuel disent, l'essentiel, mais c'est la perception. Si vous scrachez les deux premières phases de l'action motrice, perception, décision, en faisant des exercices pour apprendre des dribbles, etc., en dehors du contexte de jeu, vous scrachez l'essentiel, perception, décision. Eh bien, moi, je fais l'inverse. Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne m'occupe pas de la manière dont l'enfant fait la passe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il, dans les situations que je lui propose, c'est qu'il sache déterminer est-ce que j'ai le temps de faire l'espace, la passe, est-ce que j'ai l'espace pour la faire, parce qu'il y a plein de monde qui bouge. Et puis quand il a développé ça, toutes les situations du foot en liberté, je les oriente, elles sont toutes une seule priorité. Au départ, c'est la perception. Et puis après, bien sûr, il décide. Et puis alors, sa gestuelle qu'il fait, ça m'intéresse pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que ce sont les deux premières phases que je dois développer. Et comment on peut les développer? Il n'y a qu'une seule solution, c'est en situation d'opposition, c'est en situation de coopération, c'est en situation de match. Et dans le cas qui nous occupe, il y a un match en liberté. Moi, j'appelle ça tout en liberté, parce que l'enfant est acteur de ses actions. Voilà. Ok. Alors, je propose de donner une réaction rapide à Philippe et à Samuel sur ce qu'il vient de dire, ou pour terminer un peu ce chapitre sur l'intégration du football de rue dans les séances. Et puisqu'après, on verra une question importante, c'est quel va être le rôle du formateur. Voilà. Je voulais juste rebondir, Rudy, si tu veux bien, quelques secondes sur quelque chose de super important que José a dit. La perception de la passe, du temps de passe du joueur. On entend souvent des parents le long des terrains, ou même des entraîneurs, dire « fais ta passe ». Et est-ce qu'on a regardé si autour de lui, il avait la possibilité de faire la passe, ce que dit José, la perception de la passe. Voilà, ça c'est au niveau de la formation, c'est important qu'on ne bride pas trop l'enfant et qu'on regarde. On dit, dans le monde du foot, on dit que c'est l'appel qui déclenche la passe.
et pas le contraire. Donc, il faut autour de l'enfant qu'il ait la possibilité de donner la passe. Donc, voilà. En tout cas, merci à José. C'était super important et intéressant. Je vais faire un peu de pub. On a eu un CF TV justement consacré sur est-ce qu'il faut laisser dribbler le jeune joueur ou privilégier le collectif avec cette phrase lâche ta balle. Et finalement, il y avait un super article dans Sport Foot Magazine de Bernard Jeunechan sur la lâche pas, gamin. Voilà. Donc une autre approche. Voilà, Philippe. Ouais, non, je voulais rebondir sur la passe qui pour moi. Est le plus grand danger du football. Alors, pourquoi je m'explique? En Angleterre, ils font énormément d'enquêtes sur le foot chez les petits. Ils ont posé, première question, c'est pourquoi tu joues au foot? Ils ont posé la même question aux parents, pourquoi les enfants jouent plus au foot d'après eux? Ils ont remarqué que finalement, la perception des parents du pourquoi mon enfant joue au foot et l'enfant pourquoi il joue au foot, c'est complètement différent. L'enfant, pourquoi il joue au foot, et je vais rebondir directement sur ce que disait José, c'est pour faire de la compétition, pour gagner. Et donc, il faut tenir compte de ça, parce que s'il vient au foot, c'est pour gagner, c'est pour faire des compétitions. Et donc, José, tu disais, je commence mes entraînements par des matchs. Mais oui, je commence mes entraînements par des matchs, des oppositions, de la compétition. Et pour moi, il faut 100% de compétition dans ce qu'on fait à l'entraînement. 100% de compétition. Chaque exercice est une compétition. Chaque jeu est une compétition. Mais chaque jeu n'est pas un match. Parce que là où les entraîneurs comprennent souvent mal, c'est « Ah, ils ont dit qu'il fallait faire beaucoup de matchs. Ok, alors on fait des matchs. Mais tu veux, pourquoi tu fais ton match ?» Ah ben ouais, ben pour faire des matchs, hein, et liberté. On a dit football rue, on a vu une émission là, à la télé, c'était football de rue. Et donc, ils font des matchs libres. Non, je reprends sur ce que j'ai dit tantôt. Ils doivent avoir l'impression qu'ils sont libres. Ils doivent avoir l'impression, mais toi, en tant que coach, tu vas créer le match. Tu vas peut-être faire un 2-3 avec reconversion, avec changement de nombre de joueurs, avec changement d'espace. OK, tu vas créer le jeu et après, tu laisses les joueurs dans leur compétition. Tu fais un exercice de conduite de balle, ça peut être une opposition. Tu fais un exercice psychomoteur, ça peut être une opposition. Équipe contre équipe, joueur contre joueur. Et aussi, joueur contre lui-même. Quand tu fais un concours de jonglage, moi, je sais en faire 5, mais le jour où j'ai fait 6, j'ai gagné ma compétition contre moi-même. Mais que font beaucoup de coachs? Bon, allez, les gars, faites des jonglages. OK, on fait des jonglages. Et alors, coach? Toi, tu sais pas le faire. Non, mais comment tu veux que je fasse? T'as qu'à t'entraîner plus. Non, coach, montre-moi comment je dois faire pour progresser. Ah ouais, là ça devient plus compliqué évidemment. Autre chose, demander aux enfants, petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont appris quand ils sont revenus de l'entraînement? Pourquoi tu joues au foot? Qu'est-ce que tu as appris au foot? Très souvent, la réponse est, le coach nous apprend à faire des passes. J'ai appris à faire des passes. Moi, j'interdis en U6 et en U7 de mettre la notion de passe dans l'entraînement. Interdiction d'apprendre à faire des passes. On vient de dire, il est fou, lui. C'est quand même la base du foot, faire des passes. Non, les passes, c'est la base du coach qui veut montrer que lui, avec toute sa science et son expérience, il est capable de faire des passes à certains moments, dans certaines directions, à des enfants qui ne comprennent pas pourquoi ils font des passes, finalement. Et comme le disait quelqu'un, oui, il entend sur le côté, passe, passe, passe à gauche, passe derrière, donne ton ballon. C'est bien, mais tu aurais pu faire la passe. Le mec, il a marqué un but à 7 mètres parce qu'il a pris la bonne décision, bonne perception. Au bon moment, il a vu qu'il y avait un trou. Le gardien était dans le mauvais coin. Il a tiré. Et le coach, il va encore aller parce qu'il va dire, tu aurais pu faire la passe, il y avait un joueur qui était tout seul. Non, il a pris. Et ça, c'est justement la différence entre le football de rue et le football de pas de rue, le football encadré où c'est le coach qui veut absolument prendre la main sur la chose. Vous me dites, vous apprenez pas la passe. Mais non, parce que je rejoins tout à fait José. Quand est-ce que l'enfant va faire une passe? L'enfant va développer cette notion de passe intrinsèquement, automatiquement, lorsqu'il va reconnaître une situation où il va se trouver dans la situation où s'il fait pas la passe, l'équipe va perdre le ballon. Pourquoi? Parce que le garçon en face, il est trop fort. Parce que il est dans un espace qui lui permet pas d'aller vers le but. Et là, il va inconsciemment chercher le point d'appui qui sera son partenaire et
automatiquement, il va développer cette notion de « tiens, dans cette situation-ci, il faut que je fasse une passe ». Et alors, la passe, comme tu dis bien, José, ce qui compte, c'est que la passe, elle arrive au bon endroit, au bon moment, espace, temps. Qu'il la fasse de l'extérieur du pied droit, de l'intérieur du pied gauche, du talon, ou de peu importe comment, c'est pas important. Le but, c'est que ça arrive. Si maintenant, dans une situation, on voit qu'il a toujours les bonnes intentions, mais que la passe n'arrive jamais où il doit arriver, là, le coach doit intervenir, et là, peut-être que le coach doit corriger l'enfant. Mais attention, tu réussis pas tes passes, peut-être, pour telle raison, ou peut-être pour telle raison, essaye un peu comme ça, essaye un peu comme ça. Et c'est là que le coach redevient le guide, et pas le dictateur qui dit tu dois, tu dois, tu dois. Combien de fois est-ce qu'on n'entend pas sous le terrain de 5 contre 5 hey, les gars, vous avez vu comme ils jouent bien les gamins? Et en fait, qu'est-ce qu'ils jouent bien? En fait, ils ont réussi à faire 3 passes d'affilée. Mais peut-être que ces 3 passes d'affilée sont tout à fait inutiles dans le jeu. Et que peut-être un enfant aurait dû dribbler et aller directement par le but. On avait peut-être eu 3 chances de moins de perdre le ballon. Donc, de nouveau, comme tu dis bien, José, développer perception. Regarder, voir, analyser, décider, exécuter. Eh bien, l'entraîneur doit pouvoir intervenir dans ses entraînements sur les 5 étapes. Or, très souvent, on intervient que sur décider, exécuter. Et dans décider, ben, c'est nous qui disons ce qu'il doit faire. Et dans exécuter, si le gamin il a pas fait le geste standard, c'est pas bien. Ok, bon, on va avancer parce que, comme on dit, quand on s'amuse, le temps passe vite. Hein, y a pas mal d'échanges et de notions principales très importantes. Voilà. Et, alors, le rôle important du formateur. Quel est son rôle? Quel est le rôle important du formateur dans cette mise en place de ce principe de rue, de ce football de rue? Ben, disons que il faut savoir qu'il n'est plus, le maître qui démontre, qui explique, qui suscite, qui corrige. En fait, ce n'est plus le magicien, c'est plutôt un concepteur de situation, si je le disais tout à l'heure. S'il doit, et sa tâche la plus importante, il y a le travail du bureau et le travail du terrain. Le travail du bureau, ben, c'est comme tous les entraîneurs, il doit préparer ces situations. Évidemment, ce sont des situations extrêmement complexes puisque on demande dans ces situations qu'il y ait toujours PAI, partenaire, adversaire, incertitude. Rien n'est pré-programmé. Donc, nous sommes dans le foot de rue, rien n'est programmé, le foot n'est pas programmé. Donc, il faut qu'il s'organise à dispenser des situations qui vont développer dans des situations de football, de match, d'opposition. Donc, ça, c'est extrêmement difficile et c'est là-dessus que je bloque le plus souvent parce que je prépare dans mon bureau, et quand j'arrive au terrain, mais je dois réadapter. Et c'est rien, ça s'appelle des variables didactiques. Je réadapte pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante. Et quand j'arrive au terrain, mais comme tous les entraîneurs de toutes les catégories, je prépare les situations, tout ce qui est matériel, l'intendance, de manière à préparer toutes les situations, mais ça, c'est normal. Et puis après, je suis assez discret. Je gère le déroulement, je gère pour que ça se passe bien, mais je n'interviens sur rien. Rien. Les enfants, j'ai programmé la situation pour qu'ils développent leurs compétences. C'est eux qui les développent. Mon attitude, elle est de temps en temps, elle peut être positive dans les interventions individuelles. Je dis pas, je n'installe pas le doute en disant, fais ci, fais ça, t'as mal joué, puisque de toute façon, les débutants, il est plein d'échecs. Donc, mais j'essaie de retirer le positif pour que le garçon, et j'observe. J'observe tout simplement. Et la chose la plus importante dans mes interventions, c'est l'attention au score, comme disait Philippe, le score. Puisqu'il y a toujours compétition, il y a toujours match, donc il faut gérer les scores. Et l'enfant est attentif, parfois je me trompe. Hier, je me suis trompé 2 fois, il y a un petit gamin qui a rectifié parce que le score que j'en ai n'était pas bon. Hein, bon, je suis pas, ça passe dans tous les coins. Donc, soyez attentifs au score parce qu'il marche au score. Parce que c'est ça qu'ils ont comme souvenir. Le reste, tout ce qu'ils ont flashé dans leur disque dur, des situations, c'est pour après. Mais rentrer chez eux, il a marqué un but, et il a gagné, il a perdu, c'est le score. Donc, on axé sur le score, le reste, il faut être présent quand il y a des problèmes de gestion individuelle,
des bagarres, enfin des gens, ça arrive bien sûr, et tout le reste on laisse faire. Voilà, je crois que c'est, mais c'est très difficile parce que ça n'a plus rien à voir avec le coach que nous avons été. Vous voyez, donc nous accompagnons une activité où nous devons être absents, mais nous devons être là pour qu'elle soit bénéfique. Et quand je disais que le foot a ses limites, l'auto-formation a ses limites, oui. Par contre, si on parvient, et c'est un grand travail, si on parvient à transférer cette philosophie pendant les années où l'enfant vient au stade avec pour jouer, ça dit 6, 7, 8, je ne sais pas, je ne mets pas de curseur où on doit arrêter, on a gagné. Je crois qu'on va revenir vers un foot qui sera moins formaté, un foot qui sera plus individuel, un foot qui aura de la créativité. Nous ne serons pas tous créateurs. Enfin, soit. Ce qui, et je vais vite rebondir. Donc, je pense, si on part vers cette structure-là, accueillir l'enfant au niveau de la découverte du foot avec cette structure-là, il va falloir que les entraîneurs soient informés et formés. Sachez, vous le savez très bien, pour trouver un entraîneur pour entraîner cette catégorie-là, si la croix et la bannière, d'abord, on les paye moins que les autres, et puis, ce que je vais faire là, je ne sers à rien. Alors Philippe n'est pas d'accord. Pas à Moucron, c'est bien. Ah, mais là, je ne dis rien. Je ne dis rien, mais dans l'ensemble, dans les petits clubs, c'est la croix et la bannière. C'est un papa, c'est un délégué. Enfin, soit, on trouve réellement… Pas à Moucron. Donc, il faut trouver, il faut d'abord faire une formation spécifique parce que c'est tellement difficile, c'est tellement différent… Et c'est tellement intéressant de pouvoir intégrer et d'essayer de partir vers une nouvelle conception de l'enfant qui arrive au stade, hein, une nouvelle conception d'apprentissage, quelque chose qui signifie pour lui du plaisir et en même temps est formateur, terriblement formateur, croyez-moi. Vous imaginez pas ce que je découvre dans mon parcours ici sur 3 ans, ce que je découvre sans jamais avoir appris à dribbler, je n'apprends pas à dribbler. Vous allez dire, je mets les situations d'enfants dans le contrat, mais je ne dis Neymar, je n'imite pas Neymar, non, c'est eux. Et il y a 3 dribbleurs sur 17. Ça veut dire que c'est normal, tout le monde n'est pas dribbleur. Il y en a 3 qui sont exceptionnels, j'ai rien appris, on n'apprend rien. Vous allez voir ce qu'ils savent faire. Ils ont découvert leur spontanéité de dribble. Là aussi, c'est un travail sur un grand débat qu'on pourrait peut-être faire. Sur cette spécificité. Enfin, pour en revenir à l'entraîneur, c'est une fonction spéciale. Et ce qui m'intéresserait en tant qu'ancien prof d'éducation physique, c'est que on retrouve là des gens qui sont des pédagogues à ce niveau-là. Ce serait très enrichissant. Mais pour ça, il faut les mettre en valeur parce que ces gens-là sont dans l'ombre. Ouais. Ils sont jamais dans la lumière. Jamais. Alors que, qui sait s'ils sont importants dans ce départ vers le foot? C'est eux qui sont les starters. Alors, autant d'essayer des starters compétents. Donc, développons là, une démarche. Et puis, faisons-la passer. Et puis, alors, finalement, peut-être voir les résultats après. Parce que, ici, c'est facile pour moi. Hein. Je travaille sur une petite cellule. C'est relativement facile. C'est comme un peu les vaccins. Quoi. Il faudrait maintenant la troisième phase. Hein, la troisième phase, ce sera diffuser peut-être, pas moi, il y en a d'autres qui ont les compétences pour le faire, diffuser peut-être cette nouvelle forme d'apprentissage, la diffuser, l'expérimenter dans certains, comme on fait avec les vaccins, la troisième phase, beaucoup de monde, et puis refaire un bilan. Mais je crois que, je crois pas, je crois qu'il faut changer la formation d'apprentissage de l'enfant qui vient au stade. Ouais. Voilà. José, alors avant de laisser Samuel et Philippe réagir, toujours avec l'Ajax, dans un article où on indiquait pourquoi les clés de leur succès, et pour se détacher justement du résultat, le directeur technique disait que pour inculquer cette indépendance vis-à-vis des résultats auprès des entraîneurs, on a par exemple instauré une rotation. Tous les 2 mois, les coachs changeaient d'équipe. Ils passaient des U17 aux U19, des U15 aux U12. Ainsi, ils ne pensaient plus au classement ou au trophée, mais uniquement au développement des joueurs. Voilà, c'est une petite parenthèse
Voilà, petite idée. Voilà, Samuel, Philippe, par rapport au rôle du formateur. Mais je voudrais d'abord rebondir. José parlait que les formateurs des plus petits étaient peut-être délaissés. J'ai vu Philippe qui disait qu'à Moucron, ce n'était pas le cas au niveau salaire et ainsi de suite. Moi, quand j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, j'avais un responsable technique qui m'avait dit, j'ai toujours gardé cette phrase-là, Ghislain Abran, pour ne pas le citer, il a travaillé au Standard, qui m'avait dit, c'est chez les plus petits qu'il faut les meilleurs formateurs. Et je crois que dans les clubs, on ne travaille peut-être pas assez sur cet aspect-là. Bien entendu, sur le rôle du formateur, pour revenir à la question, tout ce qu'a dit José, c'est top. Et il a parlé qu'il ne fallait intervenir sur rien. Ça, c'est important. Et il faut qu'on puisse aussi, avec les enfants, à la fin de l'entraînement, faire un debriefing, comme on dit, de comment ils ont ressenti les choses, comment ils se sont sentis, et surtout, est-ce qu'ils se sont sentis évoluer ? Parce que c'est ça le plus important. On parlait du contexte des résultats. Rudy, tu parlais de l'Ajax. Mais mettre le résultat de côté, c'est surtout permettre à l'enfant d'évoluer. Et pour permettre à l'enfant d'évoluer, il faut lui laisser le droit à l'échec, le droit à l'erreur. Voilà, et n'intervenir sur rien, c'est ça. Parce que l'entraîneur, il intervient quand il pense que l'enfant a fait une erreur. Mais est-ce que c'est vraiment une erreur ? Ça, c'est important à savoir. Et voilà, l'enfant, laissons-lui le droit à l'échec. Moi, je dis souvent aux jeunes, quand je les reçois pour leur remettre leur bulletin, on doit te laisser le droit à l'erreur. Si tu veux réussir demain, il faut que tu rates aujourd'hui, c'est simple. Mais voilà, laissons les enfants faire des erreurs. C'est le meilleur moyen d'évoluer, je trouve. Voilà, ça peut paraître illogique, mais c'est important qu'on se base là-dessus. Et puis, voilà, et je voudrais aussi rebondir. Philippe a parlé tout à l'heure, chaque exercice est une compétition. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Il a tout à fait raison. Il faut le mettre dans toutes les catégories de jeunes. Je crois qu'en première, c'est important aussi, même avec des adultes. Quand Philippe dit chaque exercice est une compétition, c'est un jeu, je suppose. Voilà, laisser jouer les enfants, les adultes, les joueurs. C'est ça le plus important. Laissez-les jouer. Et on en revient au foot de rue. C'était ça, c'était jouer, tout simplement. Voilà. À toi, Philippe. Là, ouais, sur la notion de compétition, je suis tout à fait d'accord. Je vois un message passer ici en disant il faudrait plus de compétition, il faudrait plus de championnat et tout ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut de la compétition parce que, comme on l'a dit tantôt, le football de rue, je vous garantis, lorsque à la fin de la récréation, on jouait Standard Anderlecht, tous les supporters du Standard contre tous les supporters d'Anderlecht, et que je devais tirer le penalty et que c'était 0-0 à la fin de la récréation, il y avait beaucoup plus de pression peut-être que quand le samedi je jouais le match avec mon équipe, parce que tu avais 40 gamins autour qui allaient te porter si tu avais marqué le penalty et qui allaient t'enfoncer comme de pas deux si tu avais raté le penalty. Donc la notion de compétition, je pense qu'on doit la garder. On joue au football pour gagner des matchs, pour gagner des championnats. Par contre, de nouveau, le rôle de l'entraîneur, c'est d'encadrer, de relativiser tout ça et de ne pas prendre la compétition comme but ultime, la compétition comme moyen de progresser. Ok, on a perdu 3 matchs d'affilée. Pourquoi est-ce qu'on les a perdus ? Ah ben parce que on a perdu nos moyens, on n'a pas su garder la maîtrise émotionnelle sur la fin d'un match. Ah parce qu'on a pris une bête carte rouge. S'ils arrivent à utiliser cette défaite, cette perte comme moteur pour pouvoir progresser après, et c'est là qu'est le rôle aussi du coach, c'est de repérer ce qui va pouvoir être moteur de progression derrière et relativiser l'éventuelle défaite ou l'éventuelle non-victoire dans un championnat. Mais on peut pas non plus tomber dans l'autre excès qui est on doit privilégier la victoire du match, la victoire ou le gain du championnat au dépens de la formation. Il faut constamment essayer de rester dans un équilibre. Et les deux visions extrêmes sont fausses, comme d'ailleurs souvent dans les visions extrêmes. On ne peut jamais être dans les extrêmes. Il y a toujours quelque part un juste milieu vers lequel il faut tendre et peut-être aller chercher dans les extrêmes ce qui peut être intéressant pour pouvoir progresser dans le milieu. Et de nouveau, on revient à la même question du pourquoi. Alors, j'ai vu passer aussi une interpellation tantôt sur il faut faire des séances d'information pour les parents. Je pense que c'est essentiel. Et là, par exemple, personnellement, j'ai peut-être foiré sur ce point-là, où j'ai pas expliqué, où il n'y a pas eu un moment d'explication de pourquoi on fait de la danse à l'entraînement. Et donc, quelque part, je peux comprendre le parent qui dit « Attends, le mec, il va au foot et il revient, il a fait un quart d'heure de danse. »
il a perdu son temps. Ben oui, parce que ça n'a pas été expliqué. Le pourquoi de la chose est hyper important. Donc, si je résume en quelques mots par rapport au rôle du formateur, on est plus, non pas dans un téléguidage, mais dans un accompagnement. Absolument. Ouais. Comme l'enseignant. Parce qu'on a toujours l'impression que plus on est actif en tant qu'entraîneur, plus on donne des consignes et plus on donne des consignes aux joueurs, on pense qu'on est meilleur ou on va faire gagner son équipe. Oui, mais on peut être très intervenant, mais c'est dans la manière dont tu vas intervenir que ça va être important. Écoutez la différence entre donne à gauche ou regarde. Tout à fait. Donne à gauche, tu donnes déjà la solution. Regarde. Ah, inconsciemment dans ma tête, ah, le coach me dit regarde, il y a peut-être une autre solution quelque part que j'ai pas vue. Ah ben je vais, ah oui tiens, ah ben je vais donner à gauche, voilà. Et s'il a pas vu trois fois, quatre fois de suite, on va intervenir dans un contexte plus calme où tu peux nous montrer. D'où l'utilisation de la vidéo. Hein. Moi je suis absolument un fan de l'utilisation de la vidéo chez les U8, U9, U10, U11, parce que là ce sont des éponges à cet âge-là. Et n'allez pas me dire qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils sont dessus tout le temps sur la vidéo FIFA. Ils vont te montrer comment il faut faire. Hein. On dit parfois, ah, il faudrait, en 8 contre 8, on devrait déjà mettre la règle du hors-jeu, comme ça ils seront prêts à 12 ans dans les U14 ou les U13. La règle du hors-jeu, à 9 ans, ils vont te l'expliquer, la règle du hors-jeu. Hein, parce que sur FIFA, ils ne vont pas gagner le match hein, s'ils ne connaissent pas la règle du hors-jeu. Donc, ils n'ont pas besoin d'apprendre la règle du hors-jeu. On sous-estime la faculté de gestion, la faculté d'apprentissage et d'auto-apprentissage des enfants. Pourquoi ? Peut-être, et là on va rebondir sur le dernier point, pourquoi ? Parce que quelque part, si l'enfant il sait apprendre tout seul, nous on sert à quoi ? Et on va avoir l'impression qu'on ne sert plus à grand-chose. Or, on aime bien, en tant qu'entraîneur, garder la main mise sur les exercices. Et les gars, on va faire ça parce que, et toi tu vas jouer là, parce que là tu ne sais pas jouer, tu vas, et l'autre, et pour l'équilibre de mon équipe, machin, truc. Mais non, la vraie question, c'est pas pourquoi je coach. La vraie question, c'est pour qui je coach. Est-ce que je coach pour moi, me mettre en évidence et travailler sur mon CV, ou est-ce que je coach pour faire valoriser ou faire progresser les enfants? Moi, j'ai eu la chance de faire le parcours à l'envers, en fait. Moi, j'ai eu la chance de commencer à l'époque en scolaire, junior, réserve, équipe première. Et après, il y a des circonstances qui ont fait que j'ai basculé en U8, U8, U9, U10, et je suis toujours resté là-dedans, et puis je remontais petit à petit. Et en fait, c'est super parce que quelque part, quand on crée un plan d'apprentissage, quand on crée un entraînement, on doit créer en fonction de quelque chose qui est le but à arriver. Quand tu as travaillé, je pense que tu le disais bien, Samuel, tantôt, même en équipe première, les gars, ils ont des lacunes. Quand tu es au niveau provincial, et même ici, l'équipe première de Micron, il y a des gars qui ont des énormes lacunes. Tu vois les lacunes. Le jour où tu te retrouves chez les petits, tu dis, attends, là, j'ai entraîné l'équipe première de Moucron, il y avait ça et ça et ça comme gros problème. Comment je peux le travailler chez les plus petits? Comment est-ce que je peux faire pour que, dans 20 ans, ce problème n'arrivera plus chez ces gens-là? Et là, tu reviens sur le pourquoi j'entraîne. Pour qui j'entraîne? J'entraîne les petits pour que, le pourquoi, enfin, plus tard, tu trouves des solutions dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation. Et plus tu vas développer des résolutions de problèmes dans des situations, bah, plus ton enfant, plus ton joueur, il va être fort. Donc, pas le pourquoi j'entraîne, mais pour qui j'entraîne surtout. Est-ce que c'est pour moi me mettre en évidence? On revient sur les petits clubs et même sur les grands clubs. Hein. Qui, en tant qu'RTFJ, n'a pas eu un jour un coach qui est arrivé vers lui en disant, écoutez, patron, moi, je voudrais monter avec mon équipe. Pire, les parents demandent que je monte avec mon équipe. OK. Pourquoi tu veux monter avec ton équipe? Ouais, parce qu'on a une bonne relation, bon machin. En fait, c'est parce que tu gagnes le championnat. OK. Et tu as déjà vu que l'équipe qui vient derrière, ça va être moins fort. Donc, tu risques peut-être plus être champion. Et donc, tu préfères continuer avec ton équipe et tu vas prendre comme excuse la bonne ambiance, la bonne relation avec les joueurs et les joueurs ont demandé pour que je monte avec eux. Eh bien non, ce n'est pas ça la solution. Prends une équipe, donne à un moment T un certain nombre d'informations qui sont relatives à l'âge et au développement à ce moment-là du joueur, et après, l'année prochaine, tu recommences avec une autre équipe. Parce que le gamin, il n'a pas plus envie que ça d'être avec toi. Hein, parce que le gamin, à l'école, quand il change d'instituteur,
Il y en a très peu qui font une dépression parce que chaque année, ils changent d'instituteur. Hein. Pendant l'enseignement secondaire, ils ne font pas une dépression toutes les heures parce qu'ils changent de prof. Hein. Et il faut relativiser l'importance que l'enfant donne à son prof ou à son entraîneur. Par contre, nous, on aime bien de se sentir important en tant que coach. Voilà. Samuel, une réaction. Si tu en as une. C'est très intéressant ce que dit Philippe sur le rôle du formateur et notamment cette notion-là de pour qui je coach. Il faut que les formateurs puissent se remettre en question par rapport à ça. Et ça a un lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, Rudy, pour qui je coach, ben c'est l'accompagnement. Tu disais que le formateur devait accompagner le jeune. Ben c'est ça, moi je parle du principe de l'accompagnement, c'est donner la main à l'enfant et puis au fil de sa formation, lui lâcher la main de plus en plus et être capable de se retirer. Voilà, Philippe parlait, je suis entraîneur pour mon CV et ainsi de suite, mais on n'est là que pour les enfants, c'est ça le plus important, pour faire évoluer les enfants, pour que les enfants prennent du plaisir et progressent. Et l'accompagnement, voilà, c'est un rôle très important quand on parle du rôle du formateur pour les jeunes. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Mais merci Philippe, c'était super. On est vraiment dans la notion de confiance, en fait, dans la relation formateur-joueur. On est vraiment dans la relation de confiance, de dire, ben, et tu l'as dit quand on a préparé cette émission, Samuel, le terme oser. Voilà, c'est un terme de oser. Voilà. Alors, est-ce que dans l'apprentissage, oui, Samuel, je voulais réagir. Pour oser, il faut qu'on laisse les enfants libres, si on veut les voir oser. On en revient tout à l'heure, ouais, à la notion de liberté. Et alors, est-ce que dans le parcours d'apprentissage du formateur, parce qu'on parlait, tu as dit, je suis pour qu'on filme les matchs U8, U9, mais est-ce qu'on filmerait pas aussi les formateurs pour voir par rapport déjà au non-verbal, déjà voir par rapport au verbal aussi, parce que ça aussi, ce sera un super débriefing. Maintenant, c'est pas de le montrer à tout le monde, mais est-ce que non. C'est pas en Angleterre, dans les académies, il y a ils ont évidemment énormément de moyens que nous, on n'a pas. Ils reçoivent, par exemple, 500 000 euros de subsides de la fédération par an pour leur centre de formation. Nous, on n'a même pas ce budget-là. Donc, je ne parle que uniquement du subside, mais c'est un détail. Par contre, ils ont, en Angleterre, un head of coaching, un responsable coaching. Et le responsable coaching, c'est le responsable de comment je coach. C'est pas sûr. Est-ce que tes entraînements sont bons? Ça, c'est le head of academy, c'est le responsable de l'académie et du suivi du plan d'apprentissage. Mais ils ont un head of coaching. Et bien, comment est-ce qu'ils travaillent justement? Ils filment les coachs. Ils les filment en entraînement. Ils les filment en match. Et il y a un gars, il est payé pour ça, pour noter, voilà, toutes tes interventions. Samuel, tu as fait aujourd'hui 17 interventions. Il y en a 7 qui étaient des interventions positives. Il y en avait 8 qui étaient des interventions négatives. Il y en a 2 qui étaient des interventions qui ont servi à rien. OK. Dans les interventions positives, tu as impliqué le joueur ou tu n'as pas impliqué le joueur. Donc, tu étais dans du participatif ou du directif. OK. On en parle, on l'analyse, on le stocke. 3 mois plus tard, on revient. Et voilà les aspects sur lesquels tu as amélioré. Donc, l'utilisation de la vidéo, c'est clair et net que ce serait un plus en fait, pour les entraîneurs. Ce serait plus alors un coaching oui. Personnalisé alors. Oui, ou un coaching surtout qui soit participatif. On est beaucoup trop dans le coaching directif parce qu'on a l'impression, et là c'est, j'en veux pas au coach parce que personnellement je pense que j'ai été comme ça aussi à un moment donné, c'est que tu as l'impression que tu dois absolument apporter quelque chose au joueur et que donc tu dois apporter la bonne parole, le bon geste. Mais c'est pas tout à fait vrai. Encore une fois, tu dois changer, tu dois pas apporter le bon geste ou la bonne décision, tu dois faire ou mettre en place la notion que l'enfant puisse découvrir par lui-même cela. Ou en tout cas, et je reviens encore une fois à la même chose, avoir l'impression qu'il a découvert lui-même. Et je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je voudrais quand même donner... Oui, tout à fait. Exactement. Vas-y. C'est une expérience qu'on a eue à côté, donc la pellicule quand même. La première fois que j'entraîne l'équipe, j'arrive, on fait des U12, et on arrive au premier match amical contre le club de Bruges. Je demande à mon collègue, j'écoute, toi, tu connais les joueurs, qui joue où dans l'équipe, parce qu'on joue quand même contre Bruges, il faudrait quand même pas qu'on se prenne une ratatouille et qu'on... Ah, mais il dit, tu demandes aux enfants, en fait, il n'y a pas de place ici. Je dis, comment il n'y a pas de place? Non, il dit, tu... Alors, bon, ben, je donne l'échauffement, et puis je dis aux enfants, ben, écoutez, toi et toi, réserve, et puis jouer. Ça n'a posé
aucun problème. Et donc, tous les matchs, ce sont les enfants qui décident de la place à laquelle ils jouent. Et ça se décide comment ? Ben, ça se décide entre eux. On va plus loin et il dit « Pourquoi tu désignes toujours les réserves ?» Ben, j'ai dit « Quand même, il faut quand même qu'on commence qu'à 8. Ils sont 10, je suppose qu'ils vont tous vouloir commencer le match. Ben » Non, il dit « C'est eux qui est réserve. » À partir du moment où ils savent qu'ils ont tous le même temps de jeu. Et donc, les réserves, c'est eux qui décident. Les remplacements, c'est eux qui décident. Toi, tu sers à dire « Écoutez les gars, maintenant il y a remplacement. » Ok, ben toi tu sors et moi je rentre et moi je rentre. Et je rentre là ou là ou là. Et on n'a pas de place. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de place, qu'on n'a pas d'organisation. Il y a une organisation qui est mise sur pied. Bon, c'était le 3-1-3 ou le 3-3-1, plutôt en fonction. Et donc, ils savent qu'il y a 6-7 postes à remplir. Dans le jeu, ils vont jouer où ils veulent. Ils utilisent, ils prennent les espaces quand ils veulent, quand ils doivent. Et petit à petit, ben, ils se rendent compte que tout à coup, ils sont à deux dans le même espace et qu'il y a un autre espace qui est ouvert. Et donc, là intervient le rôle du coach. Là, on dit, tiens, on a encaissé ce but-là. Pourquoi on a encaissé ce but-là ? Ben oui, ben, toi, tu étais sorti de ton espace et moi, j'ai pas couvert. Et donc, le gars s'est retrouvé tout seul, on a encaissé un but. Et là, tu deviens le vrai coach. Le débriefing d'avant-match, il était toujours, ben, c'est encore toujours le cas, toujours fait par les enfants. Je parle là de 8 jusqu'à 12. Il est toujours fait par les enfants. C'est pas le coach qui fait le débriefing. Le coach, il fait quoi ? Il s'assied avec les enfants. Et le coach fait le débriefing d'avant-match. Pourquoi et sur quoi ? Par exemple, sur, on a travaillé à l'entraînement cette semaine. Le jeudi, on demande, tiens, qui veut faire le débriefing d'avant-match ? Ah bah moi, qu'est-ce qu'on a travaillé cette semaine ? Bah, on a travaillé la reconversion défensive. Ok, tu sais me préparer un truc sur la reconversion défensive et tu me demandes ce que tu as besoin. Ah coach, j'ai besoin les images vidéo d'un match et j'ai besoin un poster. Ok, tu lui donnes. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer, et ça, ce n'est pas du foot élite ou du foot régional, vous ne pouvez pas imaginer la créativité dont sont capables les enfants. Et parfois, évidemment, ils vont se faire aider de leurs parents, mais ils vont se faire aider plus sur comment je l'organise, comment je mets en place que sur le contenu. Et là, on est sur trois éléments très importants qui sont tout à fait applicables également dans le foot régional. Laisser les enfants faire les équipes. Tiens, est-ce qu'on n'est pas au point de départ, foot de rue ? Laisser les enfants gérer les remplacements. Vous veillez à ce que tout le monde ait le temps de jeu. Est-ce qu'on n'est pas dans le foot de rue ? Est-ce que vous laisseriez pas les enfants faire le débrief de la tactique ? Est-ce qu'on n'est pas dans le foot de rue ? Je vous garantis que quand on faisait un standard Anderlecht à la récréation, les deux grandes gueules, ils mettaient les joueurs en place et disaient aujourd'hui, attention, en face, l'autre est malade, le mec qui marque les buts, donc on va jouer autrement. Ben oui, parce qu'ils le font tout le temps sur FIFA. Ils ne font que ça. Donc, remplacement. Et les exercices à l'entraînement, ben, très souvent, on dit, ben, tiens, on a fait ça ou ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée d'un exercice ? Eh bien, vous aurez des idées d'exercice. À vous, de nouveau, de le placer dans le contexte, de peut-être mettre la touche où on va mettre la compétition, de mettre la touche où on va faire le rapport avec le plan d'apprentissage. Et ça, c'est pas une question de je travaille en élite ou je travaille en régionaux ou je travaille en interprovinciaux. Tout le monde est capable de le faire avec tous les joueurs. Retour à la case départ, foot de rue. Dans le foot de rue, tu as des bons, des moyens et des très forts. Et des faibles, et des très faibles. Voilà. Alors, je vois que déjà que Samuel est déjà débriefé, puisque Gilles Thiriot dit Samuel 8 fois, oh mon Dieu. Donc, voilà, il y a déjà le débriefing personnalisé. Et c'est ça le live, hein, c'est ça le live. Voilà, juste une petite parenthèse, justement, par rapport au coaching personnalisé. Lorsque j'étais président du FC Orion, il y a déjà maintenant 4 ou 5 ans, Serge Géoulet a passé une année, qui est coordinateur pour la CFF, pour la province de Liège. Et alors, on avait initié ça, le coaching personnalisé, puisqu'on avait des coachs qui étaient pas formés. Et donc, que faisait Serge ? Il arrivait au début du match. Il suivait l'entraîneur tout au long du match, que ce soit l'arrivée, au briefing, à mi-temps, fin du match. Et après, il lui faisait un petit rapport sur les choses qu'il a vues, les choses améliorées, constructives. Alors, au départ, on avait un peu peur que ce soit un peu mal pris de toujours être scruté, de penser d'être scruté. On n'aime pas ça. Eh ben, écoutez, ça a été très, très positif et ils en redemandaient. Voilà, parce que l'idée était aussi, c'était constructif. Donc, c'est vrai que parfois, peut-être dans l'accompagnement des coachs, le personnalisé, comme tu disais, le head coach, l'exemple d'Angleterre, Philippe, dans le développement, ça, c'est vraiment une aide pratique. Ça, c'est pas mal. Le gros problème de beaucoup de coachs, c'est qu'ils ont peur de perdre la main. Ils ont peur de ne plus être la science, en fait. Et là, ils ont peur de se mettre en difficulté, parce que quelque part,
quand tu laisses la main aux enfants ou quand tu laisses la main aux joueurs, tu risques de te retrouver en difficulté. Tu risques à un moment donné de te retrouver dans une situation où les enfants vont un petit peu aller à l'encontre de ce que tu pensais ou que tu voulais mettre en place. À toi, à ce moment-là, de montrer, c'est à ce moment-là qu'il faut montrer sa science et de les ramener sur le bon chemin ou sur le chemin que toi tu penses être le bon chemin. Donc, c'est vraiment cette peur de perdre la main sur le joueur et sur l'équipe. Et justement, il y a une réflexion. Ouais, une réflexion de Julia Chalet qu'on salue, disant une formation de terrain dans le futur sur l'intégration du foot de rue dans sa séance, c'était peut-être pas mal de voir vraiment en pratique, hein, avec le rôle du formateur, avec des enfants à qui on va rien dire, et voilà, on montre comment peut-être configurer ça de manière non directive, et voilà, ce serait peut-être une idée dans le futur, dans les formations pratiques, de voir comment on peut intégrer ça. Eh ben voilà, je vous remercie pour tous ces échanges. Je remercie aussi ben, tous les formateurs qui nous ont suivis ce matin. Il y a eu pas mal de réactions. J'essaie d'un maximum de les afficher sur écran pour alimenter le débat. Donc Philippe, José, Samuel, un grand merci pour votre disponibilité et sur cette thématique. À mon avis, voilà. Bon, à mon avis, on va encore avoir d'autres débats, mais pourquoi pas l'idée de Julien Chalet d'avoir peut-être une séance pratique pour les entraîneurs pour voir comment on peut mettre ça en œuvre. Et peut-être, allez, juste une petite réaction, vous me dites, sans trop, mais petite réflexion de Philippe. Est-ce que le foot de rue uniquement permet-il d'arriver au top mondial aujourd'hui et améliore-t-il le niveau moyen? Très vite, oui, non? Non, il faut... Le foot de rue est un déclencheur. Si on fait du foot de rue, je le disais, c'est limitatif. Non, il faut. C'est un déclencheur. C'est nécessaire dans une période, dans un moment. Mais bien sûr, le foot de rue permet dans la suite de travailler mieux, de travailler sur des enfants développés. On disait avant, on disait les doués. Mais voilà. Donc le foot de rue permet un développement moteur unique, spécifique, très intéressant, mais la suite, l'accompagnement de l'entraîneur est capital. Hein, on n'élimine pas l'entraîneur après, au contraire, il est là et c'est lui qui va finir par amener le joueur à sa meilleure compétence. Je crois que voilà. Mais uniquement en foot de rue, non, il ne faut pas rêver. Mais c'est bien de le... José, c'est bien de le préciser, parce que parfois, il y a des gens qui cherchent des recettes magiques. Non, il n'y en a pas. Miracle, hein? Il n'y en a pas. Donc, c'est bien de dire que c'est un moyen, c'est un outil qui va permettre... À un moment donné, dans le parcours d'apprentissage, il est intéressant. C'est au début, me semble-t-il. S'il y a d'autres expériences qui peuvent me dire ailleurs, je suis à l'écoute de tout. De toutes les remarques, mais je pense pour avoir expérimenté quand même ça. Et 30 ans, je travaille sur un mal de sujet de foot global. Donc, et le foot de rue, ça fait quand même 6 ans que c'est le développé. Donc, voilà, je crois que dans le moment, c'est important, mais dans un parcours, voilà, je crois qu'il faut le noter. Sinon, il faut aussi dire aux parents que le talent ne s'achète pas. Là aussi, vous savez, arriver, oui, je terminerai par là. Si on prend encore un exemple, hein, on compare, moi je suis prof de langue, l'apprentissage d'une langue en immersion, voilà, et l'apprentissage de langue en classe. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr. Apprendre une langue en immersion, oui, tu vas apprendre le néerlandais, tu vas savoir parler l'anglais, mais il te faudra peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. N'apprendre qu'une langue en classe, tu iras beaucoup plus vite, mais tu n'auras jamais cet aspect spontané que tu pourrais avoir. Et donc l'un est toujours lié avec l'autre. Et je reviens, n'allons jamais dans les extrêmes. Ne faisons pas que du foot de rue, que de l'entraînement, mais utilisons l'un pour améliorer l'autre. Oui, la comparaison avec les langues, c'est essentiel. Là, tout le monde aura compris. Là, je crois qu'on a compris la démarche. Et oui, absolument. Parce que là, les gens ont vécu souvent. Certains l'ont vécu. Et là, c'est une très bonne remarque. C'est un bon parallélisme. Voilà. Alors, ben merci à vous tous. Juste 2-3 informations avant de se quitter. Ben voilà, on peut dire en tant que Belge, on peut dire cocorico, même si c'est plus destiné aux Français. Donc on a voilà Yves Archambault
formateur belge du Standard de Liège, donc en couverture du nouveau magazine Vestiaire. Et vous avez reçu normalement ce matin, si vous êtes membre de la CEF, une newsletter avec les deux prochaines formations continues qui vont être ouvertes, qui sont ouvertes. Voilà. On a la formation d'analyste vidéo et une formation continue sur le développement personnel de l'entraîneur. Donc, en tant que membre, vous êtes prioritaire pour vous inscrire jusqu'au mardi 15 décembre, minuit, 23h59. Rudy, si tu prends le magazine Football Trainer, qui est le magazine référence des entraîneurs aux Pays-Bas, la première page, la couverture, c'est Philippe Clément. Donc, vous voyez bien que les soi-disant grands pays nous regardent et s'inspirent de ce qu'on fait. Exactement. Là, un petit coup de gueule à propos de tous les gens qui disent qu'en Wallonie, il n'y a rien de bon, qu'en Belgique, il n'y a rien de bon, que la Fédé, c'est nul. Je peux vous dire qu'on est regardé dans le monde entier, notamment en France, notamment aux Pays-Bas et surtout en Angleterre. Je vous garantis qu'en Angleterre, ils sont en train de faire un copier-coller de tout ce qu'on fait. Ils ont juste mis un petit peu plus d'argent dessus. C'est vrai que tu as raison, il faut mettre en valeur la valeur de nos entraîneurs qu'on a en Belgique. On est peut-être trop humble en Belgique, hein, peut-être par rapport à certains voisins, on est un peu trop humble par rapport à nos qualités et nos compétences, mais je pense qu'il faut le souligner qu'il y a pas mal d'articles de l'étranger qui soulignent la qualité des formations qui sont données par la fédération, mais aussi par la qualité des formateurs qui sont à l'étranger aussi. Hein. Et on voit que pour l'instant, les entraîneurs belges s'exportent bien. Voilà. Bon, comme on dit toujours, nul n'est prophète dans son pays. Voilà. C'est pour ça aussi. Oui, directeur sportif en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Chine, ce sont quatre Belges actuellement. Voilà, exactement. Donc voilà, soyons fiers de ce que nous faisons, tout en restant humble. Et c'est aussi le but de la CEF, c'est de mettre en valeur tous ces entraîneurs, peut-être de haut niveau, mais aussi du football amateur, qui peuvent, comme aujourd'hui, partager leur vision, leurs expériences. Et chacun fera son idée, prendra certaines choses, n'en prendra pas d'autres. Voilà, chacun se fait sa propre philosophie. Donc là, la semaine prochaine, donc dernière émission de l'année, donc la 40e, voilà, on n'a pas fait exprès, mais la 40e émission, sera un peu une émission spéciale. Il y aura une présentation du logiciel Coaching Player. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de ce logiciel. Et donc, certains nous ont demandé d'avoir soit un live pour pouvoir expliquer les nouvelles fonctionnalités et pouvoir poser directement leurs questions à Stéphane Krings. Sur ce logiciel. Et alors, tout au long de l'émission, on va un peu, ce sera bon, même si on n'est pas vraiment dans l'ambiance de Noël, hein, si je vous dis qu'est-ce que vous faites au fait, voilà, si j'ai la même réaction, on va un peu sourire, voilà, on va un peu distribuer des cadeaux, voilà, à tous nos entraîneurs et formateurs qui nous suivent depuis le premier confinement, depuis mars, avec un petit jeu, un petit caout en live qui va permettre de gagner certaines choses. Voilà. Noël, on va s'occuper de celles qui nous permettent de vivre notre passion. Comment ? À Noël, on va essayer de s'occuper de celles qui nous permettent de vivre notre passion. On fera une émission, hein ? Le coach et sa femme, c'est important. Ça, c'est important. Il faut prévoir une semaine, hein, Rudy ? Comment ? Il faut prévoir une semaine si on fait ça. Oui, mais il n'y aura pas de coach. En fait, ce seront les femmes des coachs qui seront là, présents à l'émission. Là, avec une question, t'as assez. Hein, pour tenir. Alors, si je prends la femme de Philippe, il va se dire pourquoi est-ce qu'il a pris ma femme, quoi, tu vois. Donc, ce sera un tirage au sort, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Mais important, tu as raison, de ceux qui nous accompagnent au quotidien, ouais. Qui nous permettent, comme tu dis, de pouvoir vivre notre passion et faciliter pour qu'elle le soit. Donc, voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Et pour ceux, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Donc, l'émission est toujours peut-être revue sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, je vais demander à nos intervenants de ne pas quitter. Je vais arrêter le live et puis on fait un petit débriefing ensemble. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Bon courage à tous.